Hello, this is the Mission Control Center in Monaco. You are now connected to the pilot Bertrand Picard. Hello? Hello, Marion. It's Hello. Bertrand in the cockpit. Happy to welcome you in my cockpit. Oh, c'est merveilleux. Je voulais vous remercier. Je voulais vous remercier de nous faire rêver comme vous le faites, de nous donner aujourd'hui un espoir considérable pour le futur. Vous arrivez dans combien de temps? J'atterris dans 2h30, dans 2h25 exactement. Et il faut que je vous retourne les remerciements, parce que je vous retourne les remerciements, Marion, parce que ce que vous faites comme engagement est magnifique. Il y a tellement d'acteurs, d'actrices qui se contentent de faire leur vie mondaine et rien de plus. Et puis vous travaillez avec Greenpeace, avec Maud Fontenoy, avec beaucoup de fondations, vous avez des actions extraordinaires. Et c'est ça qu'il faut faire quand on est connu. C'est magnifique. Et en plus, vous nous suivez depuis longtemps. Hein. Mon équipe est toujours tout heureuse quand on a des messages de vous. Bah oui, je vous suis avec mon fils, parce que c'est vrai que ce que vous faites, c'est tellement grandiose, c'est tellement admirable. Voilà, vous avez tout notre respect et en tout cas mon engagement, moi je le dois à mes parents, parce que voilà, j'ai été élevée dans le respect de cette magnifique planète et donc voilà, tous mes amis autour de moi on suit vos exploits qui sont plus que des exploits, quoi, qui sont vraiment encore une fois l'espoir qu'un jour nous, nos enfants, les enfants de nos enfants puissent voyager de cette manière avec cette énergie qui est à notre disposition, qui est si évidente, c'est inestimable. Donc un grand merci, voilà, de nous faire rêver de cette manière et je vais continuer à suivre tout ce que vous faites de très très près. C'est grandiose. Voilà, vous avez tout mon respect. Merci infiniment. Merci infiniment. Mais en fait, ce qui est important dans la vie, c'est d'utiliser ce qu'on sait faire pour une bonne cause. Moi, je ne sais pas jouer, je ne sais pas chanter, je sais voler, je sais rassembler des gens autour d'un projet. Alors, c'est ça que je fais. Mais vous avez des millions de gens qui suivent aussi ce que vous faites. Et on voit bien qu'aujourd'hui, les solutions pour un monde meilleur, et on n'a pas besoin d'attendre plus longtemps sur le plan technique, sur le plan technologique, elles sont là. Oui, mais... Ce qui manque, c'est l'état d'esprit. Il y a trop de gens qui sont assis dans leur fauteuil et puis qui attendent que les autres bougent et puis qui restent accrochés à leur vieille manière de penser. Donc c'est tous ces gens-là qu'il faut arriver à entraîner vers le futur, à qui il faut donner pas seulement de l'espoir, mais de l'envie de bouger, l'envie de se réunir. Oui, les inspirer, Accepter le monde d'aujourd'hui, c'est une maladie, c'est une folie. La preuve de santé, c'est de refuser la manière dont les choses se passent et essayer de le faire changer. C'est ça. Alors quand je peux parler à quelqu'un qui a la même vision que moi, je suis vraiment heureux, Marion. Bah, moi aussi, vraiment. Et je suis très heureuse de, en tout cas, pouvoir partager autour de moi ce que je découvre et c'est vrai que quand j'ai entendu parler de ce projet de Solar Impulse, j'ai trouvé que c'était un immense pas pour la planète et tout ce qu'elle abrite et voilà, on disait un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Moi je trouve que c'est un grand pas pour l'humanité et un immense pas pour la planète et ce qu'elle abrite, c'est un pas inestimable. Donc partager ça autour de moi et que vous fassiez des choses si inspirantes, c'est merveilleux, c'est vraiment vraiment merveilleux, voilà. Et j'espère merci un jour beaucoup, avoir l'occasion de ouais j'espère avoir l'occasion de voir cet avion. Je viendrai avec mon fils, on en a parlé beaucoup tous les deux. Et puis de pouvoir vous serrer la main et vous dire toute mon admiration et tout mon respect en face. Voilà. C'est vraiment gentil, merci beaucoup. Oui, je me réjouis qu'on puisse se rencontrer personnellement. L'avion va
Je ne sais pas encore exactement où, après l'atterrissage, est-ce qu'il reste un peu à Abu Dhabi, est-ce qu'on le ramène en Europe. Mais en tout cas, restons en contact. Je vous tiens au courant. Avec plaisir. Et je pense que quand vous pourrez vous asseoir dans ce cockpit, je pense que ça vous intéressera de voir comment la technologie peut amener à la philosophie et à l'humanisme. Je pense que ce sera beaucoup d'émotions et j'ai vraiment hâte. Merci beaucoup. Et puis alors, encouragez votre fils aussi à être un pionnier, à avoir de la curiosité, avoir de la persévérance, avoir du respect. C'est magnifique, c'est de ça qu'on a besoin. Absolument. C'est très plaisir de vous entendre. Merci beaucoup pour cet appel. Vous savez, je suis de la nuit, à 3000 mètres au-dessus des plateformes pétrolières qui sont au large des Émirats. J'ai la côte d'Abu Dhabi en face. Et puis, dans les haut-parleurs, j'entends votre voix qui m'appelle. C'est magique, ce moment. C'est un beau symbole d'être au-dessus des puits de pétrole avec un avion qui n'en a pas besoin. Absolument. Bon, je vous souhaite une merveilleuse fin de voyage et j'ai lu le petit mot de Ban Ki-moon qui disait très très joliment que c'était pas une fin, que c'était le début et je vous remercie encore et au plaisir de se voir alors un jour. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je me réjouis beaucoup. Au revoir. Bonne chose pour vous aussi. À bientôt. Ouais, pareil. À bientôt. Au revoir.